Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Yeri, abonne-toi sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Sortez, Yeri, la famille, sortez. Voici une histoire de la vie est chère. On dit, c'est les Camerounais qui aiment parler de Côte d'Ivoire, non? Envoyez cette vidéo-là, Franklin Yamsi. Envoyez cette vidéo-là, Nathalie Nyang. Et envoyez cette vidéo-là aux soi-disant ceux qui disent Cameroun, Côte d'Ivoire, nous sommes des voisins. Nous ne sommes pas des voisins, nous ne sommes pas des frères. Entre nous-mêmes, on se bombarde. Regardez très bien, on dit la vie est chère. Nous, on est en train de chercher solution. Et vous êtes là, non, c'est Dieu. On va prier Dieu. On met tout dans la main de Dieu. Et voici Papa Ado. Il a diminué les prix des choses que nous, on mange. Huile, il va tout citer. Mais au Cameroun, le gouvernement, les ministres camerounais disent non. Le peuple, priez. On met tout dans la main de Dieu. On peut faire ça. Vous êtes vraiment stupide de croire tout ça là et de comprendre. Et puis, vous marchez avec des gens, des vieux comme cela. Imaginez-vous, si Bédier même était toujours au pouvoir, mais on allait prier aussi pour dire non, que oui, on va prier, on met pour tout dans la main de Dieu. C'est ça, on allait faire. Comme Paul Biya, d'ailleurs Paul Biya même en train de tuer des Camerounais matin, midi, soir. On peut faire ça. Regardez Macky Sall, Sénégal. Regardez les autres pays. Eux tous, le gouvernement est en train de se battre pour diminuer le prix des trucs nécessaires, des premiers trucs que nous-mêmes on consomme dans le pays. On cherche une solution. Comment on va diminuer pour que au moins la population puisse être à l'aise. Mais vous ce qui vous intéresse, on va prier. On met dans tout. On met dans la main de Dieu. On met dans la main de Allah. On met dans la main de Dieu. Vous pensez que Dieu va quitter là-bas pour venir vous nourrir quoi? Mais faut être Camerounais pour être bête quoi. Et pas tous les Camerounais. C'est pas tous les Camerounais même. Qui suit ce modèle-là, qui suit vraiment Paul Biya dans ses bêtetés-là, les trucs-là. C'est eux-mêmes sont bêtes, quoi. Je ne peux pas comprendre. On dit la vie est chère. Tout le monde est en train de marcher. Même les Blancs, ils sont là à marcher. Tout. Si tu vois que ton pays est cher, tout est cher là-bas, là. Mon frère, tu dis, Joe, on va marcher un peu pour embrouiller le pouvoir qui est en place pour diminuer des choses. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous mettez dans la main de Dieu. Jusqu'à les ministres savent corrompre, eux sans donner des millions aux pasteurs. Et puis ils organisent les... Et ils organisent. On peut faire ça. Non, non, Cameroun, non. On dit, c'est là. Si tu veux voir la vraie vie, faut aller au Cameroun, tu vas comprendre. Tiens, on peut faire ça. Où tout le monde est en train de se battre. André, c'est chez vous, Dieu même est quitté. On met pour nous dans Dieu, met de Dieu, hein. C'est Dieu, tu vas nous enlever dans ça. Et Dieu fait ça là. Nous tous on connaît Dieu, hein. Mais quand on voit qu'il est là, c'est pas Dieu, tu vas venir nous nourrir là. Joe, nous on doit se battre. Mes frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, je vais vous montrer une vidéo où vous, vos matières grises, vos bêtetés là, vous allez désactiver ça à partir d'aujourd'hui. Quand on vous dit le gouvernement est en train de diminuer les prix des marchandises pour que nous tous on puisse en profiter, on puisse manger. Mais à quoi c'est d'aller le 25 aller marcher? Écoutez très bien. Chers frères, chers parents, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là dans le groupe. Partagez cette vidéo-là dans le groupe. Je pense que ça peut aider. Actuellement, aujourd'hui, combien? Aujourd'hui, le 23 novembre, dans 2 jours. Cette vidéo-là, si tu as partagé, ça arrivait loin là-bas, là. Il y a des gens qui étaient motivés à aller faire des marches là. Eux mais vont mieux comprendre que hey, Papa Alassane a diminué le prix. Papa Alassane a diminué les prix. Ceux mecs qui sont en Europe, ceux qui vous motivent avec des Camerounais qui parlent, qui disent sont panafricains là. Eux-mêmes, regardez au Cameroun. Eux ne disent pas ils vont marcher. Hein. Le gouvernement en train de financer les pasteurs pour faire les je ne sais pas si c'est forum ou c'est quoi, des prières, des veillées, des prières pour que Dieu... Eh Dieu, eh non, faut être câble. Eh, on peut faire ça. La famille, voici la vidéo. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là dans le groupe. On peut faire ça.
Québec. C'était à l'occasion de la 13e édition de la Cameroun National Prayer Breakfast qui s'est tenue ici même à Yaoundé le 17 novembre dernier. Les membres du gouvernement qui ont participé à cette prière, je vais partager avec vous l'extrait de leur intention, ont déclaré, je les cite, nous présentons à ton trône, parlant du Seigneur, de grâce en ces temps difficiles marqués par la pandémie du Covid-19, la guerre en Europe de l'Est et le renchérissement des produits de première nécessité dans notre pays. Père, manifeste-toi et inspire des solutions durables pour le Cameroun. Voilà l'intention de prière qui a été portée ce jour à l'attention du Seigneur dans notre pays, des membres du gouvernement qui disent qu'ils sont dépassés par la situation relative à l'inflation observée depuis pratiquement un an et demi dans notre pays. Ils disent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer et que la seule personne qui peut leur proposer des solutions, c'est le Seigneur. Non, franchement, je ne comprends pas le Cameroun. Je ne comprends pas ce pays. Je ne comprends pas le Cameroun. La vie est chère partout. Dans le monde entier, la vie est chère. Au Cameroun, la vie est chère. Ailleurs, les dirigeants prennent leurs responsabilités. Mais au Cameroun, les ministres camerounais, les dirigeants disent que non, on va prier, on va demander au Seigneur les idées, on prie, remettez-toi à Dieu. Il y a un problème, c'est la vie chère. Au lieu que ces gars prennent leurs responsabilités, les gars vont prier. Les gars vont prier. Je suis chrétien, hein? Moi je prie, ok? La prière n'est pas mauvaise, mais il faut souvent prendre ses responsabilités. La vie est chère partout. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les ministres n'ont pas prié, mais ils ont pris leurs responsabilités. Le président a pris ses responsabilités. La hausse des prix des produits de première nécessité, l'assainissement, autant de questions abordées par le président de la République Alassane Ouattara dans son adresse du 7 août. Et le président, attendu justement par l'opinion sur certains chapitres tels la cherté de la vie, n'a pas manqué de contextualiser la situation. En effet, après les difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19, dont la gestion rigoureuse et la résilience de notre économie ont permis de limiter les conséquences néfastes, nous devons aujourd'hui, malheureusement, faire face, à l'instar de tous les pays du monde, à de nouveaux chocs extérieurs liés notamment à la guerre en Ukraine. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et à veiller à leur application effective afin d'atténuer l'effet négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans notre pays. Au nombre des mesures, plafonnement des prix et implication du secteur privé. En outre, nous avons plafonné temporairement les prix de plusieurs produits alimentaires de première nécessité, tels que l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz et la tomate concentrée, la viande de bœuf ainsi que les pâtes alimentaires. Par ailleurs, les récentes réformes adoptées par le gouvernement pour encourager le secteur privé à investir dans les filières alimentaires, notamment la production locale de riz, de manioc, de banane plantain, de sorgho, de maïs et de soja, entraîneront une augmentation de l'offre de ces produits et en conséquence, une réduction des prix de ces denrées. Donc franchement, j'ai souvent honte. On a un président au Cameroun. Honnêtement, chers Camerounais, vous-même, quand vous écoutez cela, vous n'avez pas honte.
Hein? Chers Camerounais, quand vous écoutez Ouattara parler, vous n'avez pas honte. Hein? Au Cameroun, nous sommes comme des orphelins. On a un président, le gars s'en fout des Camerounais. Il s'en fout des Camerounais. La vie est chère, le gars est là. Il ne fait aucun discours, il ne parle pas. Le gars donne seulement les hautes instructions. On attend que sur haute instruction, le gars donne seulement les hautes instructions. En Côte d'Ivoire, le président parle, il dit que je sais que la vie est chère, voilà ce que je fais. Au Cameroun, les gars vont prier. Non, vous ne le pas. Oh, ouais. La vie est chère au Cameroun, la vie est chère. Les ministres, au lieu de réduire leur train de vie, les gars disent qu'ils vont prier. Réduisez au moins votre train de vie, chers ministres. Vous dites qu'on va prier. En Côte d'Ivoire, le président dit ok, on doit faire ceci, ça pour vous aider. On doit augmenter les salaires. On doit faire ceci, ça. Mais au Cameroun, les gars vont prier. Notre objectif est d'atteindre la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire nourrir nos populations essentiellement avec des productions agricoles ivoiriennes et à des prix accessibles à tous. Nous le pouvons. En Côte d'Ivoire, on a vu le premier ministre aller au marché vérifier des choses. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, le premier ministre Patrick Kachi s'est rendu au forum des marchés d'Adjamé ce vendredi où il a échangé avec les commerçants et leurs clients sur la question de l'augmentation des prix des produits de grande consommation. Patrick Kachi a ensuite visité une boulangerie juste à côté avant de lever un coin du voile sur les enjeux de cette visite surprise sur les marchés. On a vu un certain nombre de vendeurs, comme vous l'avez vu. On a écouté également des femmes qui sont venues faire le marché, qui nous ont dit leurs sentiments, leurs perceptions. Ça nous a permis de prendre la mesure de la réalité des choses. Au Cameroun, les gars sont dans les bureaux, les gars disent qu'ils vont prier. Et les gens veulent encore de Paul Biya au pouvoir. Les gars disent que non, on demande à Paul Biya d'être au pouvoir. Donc ils disent que non, il faut son fils au pouvoir. Les choses ne vont pas changer. J'aime toujours le dire, dans un pays, quand il y a alternance, le pays évolue. Quand il y a alternance, le pays évolue. En Côte d'Ivoire, si Bédier était resté au pouvoir comme Paul Biya, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire serait la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Troisièmement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2500 francs CFA à 7500 francs CFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelles. Au Sénégal, si Abdou Diouf était resté au pouvoir comme Paul Biya, je ne pense pas que le Sénégal serait le Sénégal d'aujourd'hui. Le Cameroun est en train de reculer. Il y a un problème, la vie chère, mais les ministres préfet dit que non, on prie. Les gars prient, ils disent que Père, manifeste-toi et inspire les solutions durables. La solution est là. Ne volez plus l'argent du pays. Dernièrement, ils ont détourné 180 milliards de francs CFA. 180 milliards détournés. Aujourd'hui, les gars disent que non, on remet-toi à Dieu, on va prier, il faut prier. Et pour nous embrouiller,
Les gars ont dit que non. La Cour des comptes a auditionné tel ministre. Le ministre a été auditionné. Il va là en prison. Les gars sont toujours à leur poste. Ils sont toujours à leur poste. Ils ont détourné 180 milliards. Détourné le riz au cas. Les gars passent le temps à détourner l'argent du pays. La vie est chère. Au lieu que les gars plafonnent les prix des denrées alimentaires comme en Côte d'Ivoire, les gars disent qu'il faut prier. Les gars disent qu'il faut prier, franchement. Est-ce que ces gens-là aiment le Cameroun? Est-ce que ces mecs, est-ce que ces gars aiment le Cameroun? Est-ce que ces mecs sont des patriotes? Et quand on parle comme ça, il y a des gars qui vont faire des commentaires bizarres disant ces mecs-là, tu n'aimes pas le Cameroun. Tu insultes le Cameroun. Tu noircis l'image du Cameroun. Et le gars fait. Après, il va aller au cas, tu vois. Grand, tu as sang là. Le gars vient commenter sur ma page. Dit, tu n'aimes pas le Cameroun. Tu salais l'image du Cameroun. Il va au quartier, dit. Grand, tu as sang là. J'ai un peu faim là. Je vais manger le beignet. Passez une bonne journée. Vos insultes en commentaire. Dieu va vous écouter. C'est vous priez que Lucifer ou Dieu. Si tu ne peux pas nourrir, s'il ne peut pas nourrir le peuple, ce n'est pas Dieu qui va nourrir le peuple. D'accord. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce monsieur et vous avez écouté Papa Ado et vous avez écouté des Camerounais qui ont dit la vie, la chèreté de la vie, eux, mais sans la main de Dieu. C'est Dieu qui va venir les sauver. C'est Dieu qui va venir les nourrir. C'est Dieu. C'est Dieu qui va tout faire. Eh, les Camerounais, Camerounaises, moi je vous dis à partir d'aujourd'hui, là, notez ça. Au Cameroun, il n'y a pas fait 10 présidents. Royauté, on va finir. Là, on sait que après Paul Biya, c'est son fils qui va prendre. Là, c'est mieux. Sinon, votre histoire de dire non, on attend sa mort. Après, il ne va pas mourir, le gars là. Bien avant qu'il va mourir, ils vont former quelqu'un. Ils vont former quelqu'un. On dit avant de battre un arbre là. C'est que les racines, il faut commencer sur les racines. C'est-à-dire avant de faire tomber Paul Biya là, ceux qui sont autour de Paul Biya là, prenez ceux-là en otage, vous allez voir. Mais vous êtes là, vous venez parler de la politique de Côte d'Ivoire. Oui, Alassane est dictateur, Alassane a fait ceci, Alassane a fait... Mais quand vous vous accusez Alassane, a dit Alassane est dictateur, à quoi les 12 ans, 15 ans qu'il est en train de faire là, regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Regardez les réalisations. Voici la vie, la chèreté de la vie. Regardez. Alassane a diminué. Et il continue de diminuer. Mais c'est les Ivoiriens. Ceux que vous voyez, ceux qui sont là, c'est motivés. Ceux qui sont là, c'est mobilisés pour dire 25, ils vont marcher là. Nous, on connaît pourquoi les gars veulent marcher. Ce n'est pas pour dire non, la chèreté de la vie. Eux, dans leur tête, ils sont préparés. Eux veulent le dégager. C'est ça qui est leur problème. Et c'est ça, nous, les Ivoiriens. Nous, on voit, on dit, c'est impossible. Nous, on ne peut pas accepter ça. Quelqu'un qui est en train de développer le pays. Pourquoi vous voulez qu'on l'enlève au pouvoir? On ne peut pas vous aider. Oui, on ne peut pas vous aider à faire des bêtises comme ça en Côte d'Ivoire. Voici des gens qui vous motivent, des Camerounais, qui vous motivent matin, midi, soir. Afrique Média, envoyez cette vidéo-là à Afrique Média. Afrique Média, tu es en train de parler, en train de dire de n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Regardez, dans les propres pays, on dit la vie est chère dans le monde entier. Tout est cher. Même les Blancs même font des manifestations. Mais malgré ça, là, eux, les dirigeants diminuent. Eux réduisent un peu les prix. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, regardez, Papa Alassane a parlé. Patrick Hachi, le premier ministre Patrick Hachi, il est allé dans les marchés. Quand il est arrivé dans les marchés, regardez comme la dame, elle était soulagée. Elle dit enfin, ah, le premier ministre, enfin, papa, tout est venu normal maintenant. On est content et on est contente. Franchement, on peut nourrir, on peut se nourrir. Elle-même, elle était heureuse. Mais au Cameroun, ceux qui se comparent à nous, regarde le Cameroun. On va mettre tout dans la main de Dieu. Ouais, on met tout dans la main de Allah. On va mettre dans tout. Et à ce temps-là, on vous nique. On dit tout ça là. Il y a plus de 100 et quelques milliards de francs CFA. Où c'est parti? 100 et quelques milliards de francs CFA. Où c'est parti?
donner les 100 et quelques milliards de salaire même à Papa Addo, vous allez voir ce qu'il va faire. C'est quel projet il va déposer. Mais vraiment, quand on vous dit la Côte d'Ivoire et le Cameroun, arrêtez de comparer les deux pays-là. Arrêtez même de comparer les deux pays-là. Enlevez ça dans vos cerveaux. Enlevez ça dans vos cerveaux, on vous dit ça. Enlevez ça dans vos cerveaux matin, midi, soir. Parce que c'est les deux pays même, on ne peut jamais les comparer. Ah! Regardez le comportement. Regardez le comportement 1. Et regardez le système de vos dirigeants et de nos dirigeants. 2. Regardez votre manière même de réfléchir. On dit la vie est chère. Vous mettez dans la main de Dieu. Ivoirien, Ivoirien, Ivoirien. Je vous ai montré cette vidéo-là, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire partager. Partagez cette vidéo-là dans le groupe WhatsApp. Oui, partagez cette vidéo-là dans le groupe WhatsApp. Ça peut aider nos frères qui cherchent à marcher, qui veulent marcher, qui sont là matin, midi, soir à la maison, qui ne cherchent pas à comprendre. La vie est chère. L'acheter de la vie, ce n'est pas en Afrique, c'est installé. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est installé. Ce n'est pas au Cameroun, c'est installé. Ce n'est pas dans les tout. On dit la vie est chère, c'est partout dans le monde. Mais comment faire pour que au moins là, le gouvernement puisse aller jeter un coup d'œil ou soit la capacité, c'est là on voit maintenant la capacité de nos dirigeants et de nos gouvernements. Comment réduire, comment mettre les anciens prix puissent revenir encore. C'est ça. On dit oui, ce gars-là ou ce gouvernement-là sont là pour veiller sur la population. C'est ça on veut. C'est ça qu'on veut. Je ne sais pas si la vidéo qui c'est où Papa Patrick Hachi ou le Papa Prézi a parlé, Addo a parlé, pour réduire les prix là. Mais pourquoi les gens n'ont pas partagé cette vidéo là? Mais c'est les menteurs, parce que les menteurs, les Souliers de Paris, l'Amira Blindé, les Hervé Djedjé, des gens qui sont beaucoup écoutés dans le mensonge, eux ne peuvent pas vous montrer des vidéos ça là. Parce que si je vous montre la réalité, ce que Papa Addo a dit, avec ce que Papa Patrick Hachi a fait, vous allez vous décourager. Vous allez vous dire, mais attends, ces gars-là, ils ont diminué les prix. Et vous voulez qu'on n'a qu'à marcher. C'est pour cela, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Il dit, je vais chercher la vérité là. Moi, je suis prêt à vous montrer. Moi, je suis prêt à arriver au bout de vous montrer la réalité qui se passe en Côte d'Ivoire et qui se passe en Afrique. Je ne suis pas là actuellement là où je suis là. Je ne suis pas panafricain. Oui, je ne suis pas panafricain. Mais je parle de mon pays. En parlant de mon pays, je peux toucher d'autres pays aussi. Voilà, c'est comme ça que je suis. Je peux toucher d'autres pays où je peux un peu caresser là-bas et parler. Sinon, je ne suis pas panafricain pour dire je veux parler pour toute l'Afrique. Je ne suis pas dans l'être idiotie du panafricanisme. Je ne suis pas dedans. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire les vérités. C'est ça. C'est ça. Ivoirien, Ivoirien. Moi, Rossi Bejo, je t'appelle. Faut bien m'écouter. Faut bien m'écouter. La vie, là, on meurt qu'une fois. Faut pas quelqu'un qui veut être au bout du monde. Faut pas quelqu'un que toi, mais tu n'as jamais rencontré, tu n'as jamais vu. Et il va faire des vidéos, il va te motiver à descendre dans la rue, à aller faire des bêtises. Et mon frère, ma soeur, faut réfléchir. Faut réfléchir. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont réduit. Ils ont réduit tout de l'estage, hein, c'est venu. Ils ont réduit toutes les choses. Maintenant, tout est normal. Ah, et c'est pas les Camerounais qui attaquent. Je suis là à parler là, et puis ils ont... Donc, vous voyez, quand on vous dit la vérité là, prenez ça au sérieux et puis partagez ça dans les groupes. C'est le actuellement où on dit dans la vie là, c'est le mensonge. C'est comme dans la vie, c'est le diable qui règne beaucoup que ceux qui croient. C'est la même chose que comme les faux prophètes et les faux pasteurs qui sont nombreux, même si c'était que les vrais pasteurs et les vrais prophètes. Nous qui sommes les vrais prophètes ou les vrais pasteurs, qui sont là. Nous, on est là pour éveiller la conscience des jeunes. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous ne laissons pas duper. Réveillons-nous pour que un jour seulement, moi je suis là, je suis un jeune comme vous. J'ai fait mes vidéos pour que vous-même là, vous puissiez réfléchir
Où est la vérité? Vous allez comparer pour eux, hein, pour moi. J'ai fait même moi mes vidéos. Quand j'ai fait mes vidéos, je vous explique comment j'ai fait mes vidéos. Je mets une vidéo à côté pour que vous-même, ça puisse rentrer dans vos têtes. Et après, je viens décortiquer. Là, voici la vérité. Et moi, je viens parler. C'est ça, ma force. Mais pour dire, je vais venir allumer ma caméra, je vais rencontrer que n'importe quoi. Où sont les preuves? C'est ça, je dis, moi, je marche avec les preuves. Je marche avec la vérité. Où est la vérité? Je suis là-bas. Où il n'y a pas la vérité? Je prends mon chemin et je m'en vais à quelque part. C'est ça, je dis toujours. Faisons très attention. Les réseaux sociaux, là, il y a tellement de menteurs. D'autres même viennent parler, oui, ils n'ont pas diminué le prix des marchandises, ils n'ont pas diminué tout. Voici ce qui Papa Patrick a fait, Patrick, le Premier ministre a fait. Et voici ce qui Papa Ado a dit. Mon frère, si tu n'as pas vu, si tu n'as pas écouté à quelque part, là, moi je te donne l'occasion de rébisser. Si tu as pris le milieu de ma vidéo, de rébisser la vidéo et tu vas écouter. Tu vas comprendre que l'acheter de la vie, c'est dans le monde, ça frappe. C'est pas en Côte d'Ivoire, ça frappe. C'est pas en Côte d'Ivoire, ça frappe. Malgré c'est en Côte d'Ivoire, là, mon frère, nous, on a eu solution. Papa Ado même a vu. Le gouvernement ivoirien a vu. Et ils ont cligné si ce phénomène-là. Mais ils ont trouvé solution. Mais il y a d'autres, ceux qui supportent, ceux qui soutiennent nos frères qui sont en Europe là-bas, qui disent sont panafricains, là. Regardez dans les pays. Et Dieu, mais pour eux, c'est Dieu qui va les bénir. C'est Dieu qui va les enlever dans la souffrance. Et mon frère, tu faut mes gènes secs. Pendant 2 mois, tu as mouru. Même souvent, tes gènes secs, mais tu as mis pendant 2 mois là. Tu meurs là, mais Dieu ne va pas accepter même que toi. Il va dire, mais tu es le plus bête. Manger, là, tu ne manges pas. Et puis, c'est toi, tu mets gènes secs pendant 2 mois. Mais tu... Ah, quand même. C'est ça. Donc, ça veut dire, réveillez-vous. Ceux qui vont vous motiver matin, midi, soir pour dire, descendez dans les rues, on va marcher parce que la vie est chère ou la vie est ceci, la vie est cela là. Mon frère, dis-lui, il faut appeler tes parents, ils vont être devant ici. Ou dites aux ceux-là même, posez-les la question. Hé, mon frère, tu dis on n'a qu'à aller marcher, mais toi tu nous as donné quoi? Comme l'intelligence pour que nous-mêmes on puisse aller travailler. Posez-les la question. Posez-les la question. Jeunes africains, ivoiriens, ivoiriennes. Si vous voulez vraiment s'en sortir, moi, si moi j'étais en Côte d'Ivoire actuellement, si j'étais en Côte d'Ivoire, là, sérieusement, moi, on pourrait me classer parmi les milliardaires en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a tellement de projets, beaucoup de choses à faire. C'est quand tu viens à l'aventure, c'est là que tu vois que si tu es dans ton pays, là, il y a des choses même que nous, on sous-estime, là, ça donne l'argent. Rentrez en contact avec moi. Moi, je vais vous montrer les systèmes, comment se développer. Toi, mais dans ton propre pays, tu ne peux pas. Même si tu vois un benguiste même. Est-ce que vous savez pourquoi les benguistes là, les gars vous mentent matin, midi, soir. Eux veulent que quand ils vont venir en Afrique, ils n'ont qu'à faire. Ils vont vous envoyer les t-shirts, faux t-shirts là-bas pour dire, nous, on est quitté à Bengue. Ouais, mon grand frère quitté en Europe. Voici Abi qu'il a envoyé. Ça, c'est quitté en Europe. Hein. Oui, ouais, son parfum, c'est quitté en Europe. C'est ça, les gars veulent faire. C'est pour cela quand... Surtout le gouvernement ivoirien en train de faire métro, ça les énerve parce que eux ils veulent pas qu'en Afrique, surtout la peau noire, métro puisse circuler. Par exemple, si vous montez dans le métro, si eux montent dans le métro en Europe là-bas, mais vous êtes pareil. Et il va faire malin sur toi, jamais. Lui monte dans le métro, toi tu montes dans le métro. Là, il va faire qu'un malin. S'il monte dans le bus, toi tu montes dans le bus ici, il va faire qu'un malin. C'est pour cela que les gars vous empêchent de détruire. Le gouvernement est en train de travailler pour vos biens. C'est ça, voyez le problème qui est là. Donc, réveillez-vous. Ne tombez pas dans les bêtises là. Ne tombez pas dans les bêtises là. Mais la vie est chère, mais en Europe, ceux qui sont en Europe, là-bas, la vie est chère là-bas. Mais les gars, vous ne parlez pas de ça. Quand tu les parles, on dit, ici, là, mais en Europe, la vie est chère. Hein, mais, et puis, c'est fini. Mais pourquoi les gars, même ceux qui sont en Europe, pourquoi ils ne se galvanisent pas pour dire, on va marcher pour toute Europe là? C'est en Afrique, c'est Côte d'Ivoire. Parce que vous détestez ce monsieur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Vous détestez Papa Ado. Quand vous le voyez comme cela, là, vous voulez mourir parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Là. Vos leaders n'ont pas fait ça. Vos leaders n'ont pas eu capacité de faire ça. Mais quand même, pourquoi vous les Ivoiriens, vous êtes comme ça? Pourquoi vous les Ivoiriens, vous êtes comme ça? Vous cherchez des gens. Regardez Congo. Je vois les Congolais
qui se rallient aux les faux types, les faux trucs de Kémi Séba. Regardez Bénin. Regardez Bénin. Là-bas, ça ne va pas aussi. Vous dites-moi, l'acheter de la villa, ceux qui sont au Bénin là-haut, ça existe ou ça existe, ça n'existe pas là-bas. Dites-moi, ceux qui regardent ma vidéo là, laissez en commentaire. L'acheter de la villa, ça existe au Bénin ou ça n'existe pas au Bénin? Ça existe partout. Mais pourquoi vous voyez la Côte d'Ivoire? C'est comme c'est la Côte d'Ivoire même qui a envoyé cette histoire de la vie, l'acheter de la vie au monde ici. Pourquoi? Voici à cause de blé. À cause de quoi? Blé. Et chose, comment dirais-je, gaz. À cause de tout ça là. Ukraine et Russie, c'est pour cela que tout est devenu cher. Mais mon frère, pourquoi nous les Africains, pétrole là, c'est dans ça on enlève gaz. Pétrole là, c'est dans ça on enlève essence. Pétrole là, c'est dans ça on enlève kérosène. Pétrole là, c'est dans ça on enlève diesel. Mais nous-mêmes on a pétrole. Pourquoi on ne peut pas mettre pression sur nos gouvernements? Nous-mêmes on va fabriquer ça ici. Et on va acheter des. Et on va mettre pression sur. Si c'est pour cette marche là, on veut faire. Nous on peut vous motiver à le faire. Mais vous êtes là. Vous, ce qui est dans vos têtes là, c'est manger. Vous ne cherchez pas à travailler. C'est manger seulement. Quand même. L'acheter de la vie, c'est pas tout. C'est pas tout. Ce qu'on peut faire. Mon frère, toi-même, bats-toi. Tu vas aller chercher ta vie. Tu vas gagner ta vie en brousse là-bas. Tu vas bien manger. Si tu veux, tu peux rentrer. Chaque pays, ceux qui sont là-bas, là, eux tous, ils ont les champs. Mais si tu n'as pas ton champ, tes parents ont un champ. Ton parent a des champs. Tu peux aller là-bas. Tu vas cultiver. Tu vas gagner ta vie pour manger. Mes chers frères, mes chers parents, il est temps de se ressaisir. Ne tombez pas dans les bêtises. Ceux qui sont là, ils seront à nous mentir matin, midi, soir. Ça là, ça ne peut pas nous donner. Ça ne peut même pas payer en poule. Ça ne peut même pas payer en poule pour dire non que oui, on va s'en sortir. Rien. On ne peut pas s'en sortir. Mes chers frères, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, je vous laisse mon WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans le groupe WhatsApp. Partagez ça dans les messengers, partagez ça dans vos groupes aussi Facebook pour que ça puisse arriver loin, pour que nous tous, on puisse se motiver, la jeunesse africaine, on puisse se motiver et on va travailler. Ne comptons pas si les politiciens, vont pas changer ta vie. Si un politicien veut te donner 10 000 là, ce que lui là, il va prendre 1 million dans toi. C'est ça qui est la stratégie. Ne nous laissons pas buper. Ne nous laissons pas berner dans les bêtises. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.